j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour refaire une vidéo sur le recover. Vraiment, je te conseille cette activité qui détend au maximum. Donc, je te réexplique le principe. Tu vas prendre, normalement, ça se fait avec une couverture de magazine. Bon, bien sûr, je n'en ai pas. Mais tu peux en trouver sur Internet. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai imprimé. Tu vas la coller sur une feuille et ensuite tu vas laisser aller ton imagination à t'amuser. Il y a des choses qui se rangent toutes seules ici. Et sans réfléchir, vraiment laisser le feeling. Voilà. Donc, eh bien, écoute, j'ai rien d'autre à te dire. J'utilise de la peinture acrylique. Moi, j'adore. Je suis complètement fan, mais ça, tu le sais. Je suis complètement fan de cette peinture parce qu'elle laisse un aspect satiné une fois sèche. Et je trouve que ça fait super classe, n'est-ce pas? Des pinceaux, de l'eau, une assiette. Moi, je mets un plastique sur l'assiette pour ne plus m'embêter à la nettoyer. Une feuille. Moi, j'ai pris une feuille de Bristol. Hein, je ne m'embête pas. Et puis, donc, l'image de ton choix. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci, mais tu peux même le faire avec des publicités. À la base, ça se fait avec des couvertures de magazines, mais tu peux également le faire avec des publicités ou des images de mode. Voilà. Eh bien, écoute, si tu es prêt, on est parti. Première étape, c'est de mettre en place notre image. Donc, tu peux la laisser entière ou la découper. Moi, je vais la découper. Voilà, je vais la coller ensuite sur ma feuille. Et puis ensuite, alors tu n'as pas besoin de savoir dessiner puisque vraiment c'est à la base de mise en place de couleurs. Tu peux utiliser des pochoirs, des tampons, coller d'autres images par-dessus. C'est vraiment un truc, on va dire, artistique quoi. Où tu laisses sortir ton côté artiste. Voilà. Donc, ouais, j'ai adoré cette image, mais bon, parce que c'est mon style. Hein. Tu peux partir sur des trucs beaucoup plus simples. Tu peux aussi... Donc, moi, je ne vais pas toucher le visage de la personne. Mais tu peux tout à fait t'amuser à lui faire des dessins sur le corps, des tatouages, du maquillage. Si tu cherches l'inspiration, tu en trouves beaucoup sur Pinterest en tapant le mot-clé « recover » et puis « amuse-toi ». Voilà, donc c'est pareil, tu peux mettre ta photo en haut, en bas, au milieu. Moi, je vais la centrer. Ouais. Je vais la mettre comme ceci. Et ensuite, je vais laisser aller mon imagination et mes pinceaux. Hop. Comme ceci. Donc, si ce genre de vidéo te plaît, eh bien, je t'en ferai de temps en temps. Voilà, histoire de stimuler ta créativité. Voilà. Hop, j'applique bien mon image. Je vais bien la plaquer, qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et puis, c'est parti. Donc, je te laisse en musique.
il faut que tu essayes de fondre ton image dans ton décor, en fait. La première étape, c'est de faire ça. Voilà, et ensuite, tu vas t'éclater. Voilà, tamponner, faire des pochoirs, faire des dessins par-dessus. Laisser complètement aller ton imagination. Donc, lâche-toi. Donc le but, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de joli, c'est surtout de se détendre et de s'amuser. Donc eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.